Bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition en direct de La Rable Approfondie. Ce soir, nous nous trouvons dans la salle du conseil de la municipalité de Saint-Ferdinand au 821 de la rue principale pour vous amener la séance ordinaire du mois de mars 2024. Avec une participation citoyenne historiquement importante dans cette municipalité de la MRC de l'Érable, les conseillères et les maires sont prêtes pour répondre aux questions du public sur place et à celles de l'équipe journalistique de la TVC. Les sujets à traiter pour ce soir incluent demande de subvention pour le programme d'aide aux immobilisations, plus connu comme PAI. Demande de subvention pour le programme d'infrastructure municipale d'eau, connu aussi comme PRIMO. Demande de soumission pour le déneigement, la fourniture et l'épandage d'abrasifs pour l'entretien hivernal des chemins. Embauche d'une coordonnatrice en sport, loisirs et culture. Conditions de travail des employés municipaux. Et toutes des faisabilités pour la nouvelle construction d'un bâtiment municipal multifonctionnel. Réalisation d'un carnet de santé pour un projet de l'Arena. Journée forestière et acéricole du centre du Québec. Participation municipale au défi Pissenlit 2024, entre autres sujets. Nous commençons maintenant avec la séance ordinaire du mois de mars 2024 du Conseil de la municipalité de Saint-Ferdinand, présidée par son maire, Monsieur Yves Charlebois. Bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Saint-Ferdinand à la réunion régulière du mois de mars. Juste avant de débuter, quelques petites annonces très simples. Le 6 juillet prochain, on a une belle grosse fête qu'on va avoir. C'est Tony Lassauce qui avait fait un numéro l'année dernière. Il est de retour le 6 juillet. C'est un samedi. Il va être là probablement en après-midi jusqu'en début de soirée à ce moment-là. Le 7 juillet, le lendemain, on va avoir le triathlon du lac William. Et évidemment, durant tout l'été, on aura des spectacles les jeudis et les dimanches après-midi, tels que prévu comme les autres années avant. On vous donnera la programmation éventuellement. Sans plus tarder, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Vous l'avez devant vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un pour proposer? Bien. Vous avez reçu les procès-verbaux, le procès-verbal. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez des questions? Un proposeur? Quelqu'un propose, Mme Ouellette. On y va pour la première période de questions. Bonjour, Benoît Bré. Au micro, s'il vous plaît. Montage d'une bonne voix. Bonjour, Benoît Bré, Chevalier Colomb. Merci de nous recevoir. Monsieur le maire, ça aurait été fun de donner de l'information par rapport à l'assemblée qu'il va y avoir sur le suicide pour les dépendances. Ah oui, c'est vrai, je vous ai oublié. Vous êtes toujours d'accord avec nous? Non, il n'y a pas de problème. C'est ça, le 13 mars, mercredi prochain, 7h à 9h, il va y avoir 4 conférenciers sur les dépendances, drogue, alcool et sur le suicide. Puis il va y avoir aussi un paramédic, puis il va y avoir aussi un policier conférencier là-dessus. Donc, on reprend la date, c'est le... Mercredi le 13 mars. Mercredi le 13 mars, à quelle heure? 7h, de 19h à 21h à la salle communautaire. Parfait, merci. C'est beaucoup. Beau, on fait plaisir. Si vous me permettez, je vais commencer par quelque chose qui n'a pas l'air d'être une habitude bien ici, là. Puis je pense qu'on devrait le faire. Je vais commencer par des remerciements, si vous me permettez. On les prend tous. Ben, je pense que c'est important. J'aimerais ça remercier nos cols bleus, parce que nous autres, les chevaliers, on travaille beaucoup avec eux autres. Puis on a de l'excellent travail. J'aimerais ça aussi remercier Sylvie Tardif et Nathalie Doucet pour toutes les choses qu'on fait avec. Je veux remercier aussi les autres employés pour faire moins affaire avec eux autres. Je pense que des remerciements, ça va de soi de temps en temps. L'autre remerciement, j'aimerais ça remercier tout le conseil pour nous avoir appuyé et participé au financement de la formation qu'on a faite des 26 personnes qui viennent de toutes sortes d'organismes pour le cours en RCR. Puis maintenant, les gens qu'on a réussi, on a de la ferme Fortier, ça, au début de Saint-Pierre-Baptiste, jusqu'à Gaétan Sévigny à Irlande. Puis de l'autre côté, on a aussi M. Lessard et Mme Comtois. Puis de l'autre côté, on a à Vianney, on a aussi mon frère, un autre. Alors, on couvre toute la superficie. Alors, merci d'avoir compris ce dossier-là, qui est important. Maintenant, j'arrive à ma demande. Je vous ai envoyé une lettre, tout le monde, en vous remerciant. Puis on vous demandait de voir à participer financièrement, et j'ai demandé à la même affaire à Éric Lefebvre, notre député, pour pouvoir acheter un deuxième défibrillateur qu'on mettrait au resto, pas au réservoir, mais au bureau de poste, parce que c'est ouvert les deux 24 heures.
J'ai demandé au maire d'Irlande, ils sont supposés d'en installer un qui va être accessible par l'extérieur. Ils ont des nouveaux qui rentrent extérieur-extérieur. À l'hôtel de ville d'Irlande. Oui, ouais, okay. Fait que ça nous permettait de couvrir là. Puis éventuellement, si on a parfois on a la chance d'en avoir un autre, Renaud Fortier serait d'accord à les mettre dans sa grange, une place qui est ouverte 24 heures sur 24, qui ferait qu'on pourrait en avoir un peu partout. Okay, mais là, la demande que je vous demande, c'est en fonction de celui-là. Et comme c'est les crédits touristiques, puis c'est surtout au resto-bar avec les motos, les skidoux, tout ça. Puis il y a déjà 3 personnes de formée-là en RCA. Ouais. Alors, voilà, c'est ça. On était très ouverts, là, on va s'en reparler. Oui. Puis je m'offre, même les chevillons s'offrent, pour suivre les défibrillateurs, c'est-à-dire que 2 fois par année, on va vérifier si toutes les batteries sont adéquates, tout ça. OK. Okay. Ouais, celui de la Caisse populaire, il a déjà servi sérieusement. Il y avait un malaise à l'église. Il y avait un malaise, une dame à l'église il y a 2, 3, 4, 5 ans, ouais. Et il avait été sauvé grâce à cet appareil-là. Mais là, je n'explique pas ce qui se passe avec celle-là. Pardon? Je vous le dirai en captivité. Ah, OK, OK. Qu'est-ce qui arrive avec cela? Bon, ça va. Ben, merci. Ça me fait plaisir. Ce qui est intéressant de travailler en collaboration, c'est qu'on fait beaucoup d'affaires, les chevaliers, mais s'il n'y a pas de participation de la municipalité, on n'en fera pas. Je pense qu'il faut travailler ensemble absolument. Puis on pense qu'on est choyé quand même. Fait que, merci. Parfait. Puis j'espère que vous allez tenir compte de ma demande. Ça va. Merci. Merci beaucoup. On y va pour la délégation de sortie. Ben, si on a, dans mon cas, ben, dans notre cas, moi et Mme Magazu, on est allés cet après-midi pour rencontrer la ville de Thetford Mines pour qu'ils nous ont fait un résumé de tous les travaux qu'ils font pour l'assainissement des eaux à la ville de Thetford Mines. Ce qui était quand même intéressant. J'y vais de mémoire, là, je pense que depuis 2 ans, ils ont investi au-dessus de 35 millions de dollars. Et ils s'en viennent avec il va avoir un bassin de rétention au parc Saint-Noël. Ça, c'est à côté de l'hôpital et il y a un terrain de balle. Ça va tout être arraché. Puis ils vont mettre une série de tuyaux de 3,5 mètres de diamètre chacun et ça va être un bassin de rétention. Quand il va y avoir des pluies moindrement, ça va être rempli. Et quand quand la station d'épuration à Black Lake va être va pouvoir recevoir, on va ouvrir le robinet et on va pouvoir envoyer ça là. Fait que ça va éviter de plus en plus des débordements du réseau d'égout de la ville de Thetford. Dans les autres sorties, le 21 et le 23 février, Monsieur Olivier Michaud. Oui. Je cherchais le nom de famille. Alexandre Blondeau sont allés rendre une formation pour le géoportail. Donc, ça me prend un proposable pour les sorties. C'est sûr, ils ont pris le camion de la municipalité, mais il y avait des repos. Donc voilà. On poursuit. Demande de subvention au volet 2 du programme d'aide aux immobilisations PAI. PAI pour programme d'aide immobilisation pour 2022 à 2025. Donc on est rendu au volet 2. Et c'est pour la municipalité s'engage si elle obtient une aide financière pour son projet à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci ainsi que les coûts d'exploitation continue d'entretien du bâtiment subventionné. La municipalité confirme que si elle obtient de l'aide financière pour son projet, elle assumera tous les coûts non admissibles au PAI associés à son projet. Et c'est au niveau des bâtiments qu'on a déjà en place. Donc, ça me prend un proposeur. Oui. Entre autres, ça pourrait servir pour l'ancien presbytère, ça peut servir pour tous les bâtiments municipaux qu'on a pour quand on a besoin d'entretien. Pardon? Non, c'est un autre programme là, pour le garage municipal éventuellement. On attend toujours du financement. C'est toujours très, très long au gouvernement quand on demande quelque chose. On l'a pas le mois suivant. Ça suit son cours, puis éventuellement, quand on aura le financement, les plans sont faits, tout est là. On y va pour une demande de subvention au volet 1 du programme Primo. Effectivement, ça c'est pour les rues, les tronçons 83, 85, 84, 85, rue des Préfleuries. Donc, on va s'engager à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable, la municipalité.
de tout dommage causé par les employés, agents, représentants et sous-traitants ou par elles-mêmes, y compris les dommages résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conçu par la municipalité pour la réalisation des travaux. La municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023. La municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. On s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elles ne respectent pas le délai prévu par la Primo 2023. On s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50 % de leurs coûts et tout dépassement de coûts. Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au volet 1 programme Primo 2023 et c'est M. Jocelyn Desharnais qui va être le responsable de tout ça. Ça me prend un proposeur. Quelqu'un me proposer? Monsieur Henry, c'est pour la réfection complète du quartier des Préfleuries. Il y a des canalisations qu'on doit changer et par la suite, bien évidemment, en changeant les canalisations, on va pouvoir faire les rues de façon professionnelle par la suite. Voilà, demande de soumission pour le déneigement, la fourniture et l'épandage d'abrasifs pour l'entretien hivernal des chemins. Exactement, ça me prend un proposeur. Quelqu'un proposé, M. Gagnon. Notre entrepreneur actuellement, M. Transport Breton de la Montagne, c'est un contrat de 5 ans, il vient à échéance cette année. Donc, on retourne en appel d'offres pour la suite des choses. Ce sera annoncé à la grandeur de la province sur le site SEAO du gouvernement dans les prochains jours. Bon, du bon boulot. Oui, oui, pas de problème. C'est juste que... On peut pas avoir un contrat de 20 ans, tout simplement. Ça, c'est renouvelable aux 5 ans. Donc, ça va. Pour 2025. Pardon? Pour 2025. Oui, bien, cet automne, en 24. Ouais. Il termine en 2024. Il termine là ça a fait ce printemps. Puis, c'est le contrat, il est tout dépendant de qui va soumissionner, mais c'est pour l'hiver prochain. C'est ça. On y va pour l'embauche d'une coordonnatrice en sport et loisirs et culture. Et culture, effectivement. Donc, Madame Andréane Turgeon est satisfaite aux exigences de la municipalité au terme du processus d'embauche. Donc, ça me prend un proposeur. Quelqu'un proposé, Mme Ouellette. Embauche d'une aide inspectrice en environnement. C'est un poste qui est temps partiel, étudiant, donc c'est seulement pour la période d'été. La dame s'appelle Laurence Bolduc, proposée par... Monsieur Gagnon. On y va pour les conditions de travail des employés municipaux. Le conseil municipal a accepté de donner une augmentation de 4 % aux employés municipaux rétroactivement au 1er janvier 2024. Proposée par... Monsieur East. Mandat à maître créatif architecture, une étude de faisabilité de nouvelle construction d'un bâtiment municipal multifonctionnel. Effectivement, ça me prend un proposeur. C'est ça. C'est eux vont nous faire une étude sur le terrain de l'hôpital qu'on va pouvoir soumettre au gouvernement pour voir la faisabilité d'avoir une salle multifonctionnelle. On aurait un hôtel de ville, probablement la bibliothèque. Également, si on aura de l'espace peut-être pour un gymnase, etc. Et, peut-être qu'éventuellement, mais là, on table sur ça pour l'instant. La caserne, c'est un autre programme qui existe. Mais l'appel n'est pas arrivé, ça ne sera pas de suite, ça ne nous aura pas. Donc, on voit que les dossiers avancent. Oui, oui, oui. Mandat à TR3E, expert conseil, réalisation d'un carnet de santé. Concernant le projet de l'aréna. Effectivement. Donc, ils vont venir faire une évaluation de ce que ça nous coûterait d'avoir avoir une patinoire couverte ou de rénover celle-là, que c'est quoi les coûts, et on va pouvoir informer la population suite à ça, puis on verra la décision qui se prendra à ce moment-là. Parce que si on demande du financement, le gouvernement va tout de suite nous dire, vous avez déjà une installation, est-ce que vous avez regardé si on le rénove, combien ça coûte, puis si vous voulez avoir quelque chose de neuf, combien ça coûte, etc. Donc, c'est là qu'on en est. Là. Fait qu'ils vont nous faire une étude complète là, de la qualité de l'immeuble qu'on a présentement. Quelqu'un pour proposer? Oui, Mme Ouellette. Journée forestière et acéricole du Centre du Québec.
Donc, le conseil a résolu de verser une aide financière de 100 $ à l'Agence forestière des Bois-Francs pour l'organisation de la journée forestière et acéricole du Centre du Québec. Proposé par... Par... Monsieur East, c'est, ça se tient au mois à pic, quelque part, au mois de mai, là. Je m'en tiendrai au courant. Non, c'est le 21 septembre. Ah, 21 septembre, pardon. 21 septembre 2024. Bon, on se prend d'avance pour... là, c'est quelque chose qui arrive ce printemps, le prochain. C'est le défi Pissenlit 2024. Effectivement, une aide financière de 200 $ pour participer au défi Pissenlit qui consiste à ne pas tondre son gazon au mois de mai. Mais là, avec le printemps précoce, à voir. C'est ça. Donc, ça prend un proposeur. Quelqu'un proposé? Monsieur Gagnon? En gros, il va y avoir de la publicité de fait, puis si vous jouez le jeu, vous n'êtes pas obligé, vous allez avoir un petit truc pour mettre sur votre pelouse. L'année passée, c'était notre inspectrice qui gérait ça. Et finalement, ça a duré 2-3 semaines, puis elle a dit, vous pouvez couper votre gazon. Donc, il n'était pas rendu très, très long dans ce moment-là, en tout cas. C'est ça. Si je peux se permettre, c'est que dans le mois de mai, qui est arrivé, on l'a tout de suite parce qu'il est rendu en troisième semaine, il était déjà rendu en séance. Non, il n'était pas rendu. Il était pas rendu en boubou, là, comme on appelle. Ah, mais... oui, OK. C'est ça. En tout cas, ça peut. Congrès de l'Association des directeurs municipaux. Effectivement, c'est un congrès qui a lieu les 12, 13 et 14 juin à Québec. Les frais sont de 577 plus taxes. Mm-hmm. Un proposeur. Mm-hmm. Monsieur Henry. Congrès de location d'un contrat, pardon, de location d'un photocopieur. Effectivement, notre photocopieur est arrivé à terme. Donc, le prochain contrat, c'est un contrat de 60 mois pour 214,4 par mois, proposé par. Allez-y. Dépôt de l'État des revenus et dépenses février 2024. C'est simplement un dépôt. Ça va sur le site Internet de la municipalité dans les prochains jours, demain ou dans les prochains jours. Avons-nous de la correspondance? J'ai pas de correspondance. Parfait. On arrive à la deuxième période de questions. Allez-y, monsieur. Juste au micro, parce qu'on est à la télé. Seulement pour savoir, c'est parce que je n'ai pas compris le nom de la directrice des loisirs et sports. Andréane Turgeon. Turgeon. Bon. Ensuite de ça, mandat de maître créatif architectural, c'est quoi ça? C'est une société qui est à Thetford-Mine. Ils vont faire... ils vont regarder pour faire une esquisse, pour voir la faisabilité d'un centre multifonctionnel, c'est-à-dire une salle du conseil, un hôtel de ville, probablement un gymnase pour l'entraînement, puis une bibliothèque. Et ce serait sur le terrain de l'hôpital. OK. C'est tout. Ça va? Merci bien. Merci. Une petite question. Il y a eu la semaine dernière Harley Samuel Tempête, ça a quand même assez bien été. Oui. Mais si je me rappelle, Mme Verville avait dit qu'elle donnerait des sommes pour aller à un organisme. Oui. Je me mets pas là-dedans, il y a eu des affaires. Mais je sais que vous avez eu une demande, M. le maire, de la directrice de l'école, oui, oui. Qui demandait voir si les sommes pourraient être remises pour la cour d'école. Bien, c'est ce que j'ai demandé à Mme Verville. Elle devait être ici ce soir, là, je ne l'ai pas, puis il y a des sous qui vont aller à la fabrique également. Bien, je trouve ça correct, puis je pense que c'est un beau projet. On s'est parlé la semaine dernière, j'ai parlé à la directrice et j'ai parlé à Mme Verdi, là, ouais. Semaine dernière. Nous aussi, on fait un moitié-moitié justement pour la cour. D'école? OK, oui. Bon, pas de problème. Vous nous direz, on va vous pimper votre moitié-moitié, là, juste à me le dire. Puis, Parfait, c'est celui, pas cette semaine, la semaine prochaine. OK, bon, c'est bon. Je vais t'envoyer un truc. Bon, bien, c'est... Il faudra envoyer une note à tous les parents, là, acheter pour 5$ de billets, de choses du genre. C'est ce qu'elle va faire, José, si un jour... Ah, OK, ouais, bon, parfait. Puis elle va inciter le monde à y aller. Moi, je dis, plus tu ramasses, nous autres, c'est moitié-moitié. C'est 1000 ou c'est 1500, travaille pour toi. Ben oui. Bien, je vous remercie. Bien, ça m'a fait plaisir. On y va pour la présentation des comptes. Et plus de questions? Ah oui, c'est vrai, ma chère Sylvain. Que puis-je faire pour ta bonne, ton bonheur? Bon.
Pendant la séance ordinaire du mois de janvier, une citoyenne a demandé qu'on de faire pour des publications dans la page Facebook de San Ferdinand. Est-ce que peut-être vous avez pris ces mesures à considérer cette mesure? J'essaie de vous suivre. C'est quoi la publication sur notre page Facebook? Oui, oui, il a demandé que dans la page Facebook, il n'y a pas comme beaucoup d'informations sur les événements à San Ferdinand. Ben, c'est tout ce qui est municipalisé et sur la page Facebook de la municipalité. Est-ce que c'est qu'il y a un lien direct avec la municipalité, l'horaire de l'aréna, si on enlève la neige le lendemain matin, des trucs comme ça, c'est à cet endroit-là. Des choses un peu plus sociales, ben moi, c'est mes choses personnelles. Là. Oui, donc, c'est ça. Parfait. D'accord. Bon, est-ce que les changements de conditions des travailleurs ont été demandés pour les mêmes travailleurs ou c'est qui a demandé les changements de conditions? L'ensemble des gens qui travaillent pour la municipalité, normalement, ils ont toujours droit à une augmentation annuelle. Puis bon, on a décidé que cette année, on leur remettait 4% d'augmentation à l'ensemble des travailleurs de la municipalité. On a 14 ou 15 employés à la municipalité. D'accord. Ah oui. On voudrait savoir comment est-ce que la municipalité a fait comme face à l'inflation de la population. Oui, à l'inflation et toutes les choses que ça implique pour la population de San Ferdinand. Est-ce qu'il y a des nouvelles, je ne sais pas, comme mesures pour aider les gens dans la municipalité? Pas comme tel, parce qu'on doit faire face comme tout le monde à l'inflation. Fait qu'il y a beaucoup de biens et de services que les coûts ont augmenté. On essaie du mieux possible de magasiner encore plus qu'on magasinait avant pour les coûts. Mais pour ce qui est des citoyens, ben, il y a des organismes communautaires pour leur venir en aide, là, tout simplement. Entre autres, nos amis des Chalets Colons sont là pour venir en aide aux gens qui sont un petit peu plus dans la misère, là, comme on peut dire. Voilà. D'accord. Et bon, quand sera l'emplacement du futur bâtiment municipal multifonctionnel? Est-ce qu'il y a le bâtiment multifonctionnel? Ça sera quand, plus ou moins? Je sais que vous allez envoyer une demande, mais plus ou moins, quand sera? Je ne peux pas dire quand est-ce que c'est. C'est que c'est un programme gouvernemental qui a un montant désigné par année. Ça peut arriver qu'on dépose, puis on fait une demande, puis on peut l'avoir. Là, je peux l'avoir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tout dépendant de où est-ce qu'on est rendu avec, où est-ce que le gouvernement est rendu, là, tout simplement. T'sais, chaque programme du gouvernement a, donne un exemple, au niveau des sports, il y a 2 ans, il y avait 500 millions de dollars dans un programme pour les infrastructures sportives pour l'ensemble de la province, puis le gouvernement avait reçu 1,5 milliard de demandes. Ça fait que nous autres, on avait demandé des sous pour un truc, on a passé au bout du pont, puis c'était la même chose, la piscine, la matane, etc. Tu sais, ça fait qu'on n'est pas, on n'est jamais, mais ça va finir par se faire quand, ça c'est une autre histoire, on n'est quand même pas à la rue, là, à l'hôtel de ville, on a quand même des bureaux assez fonctionnels et tout ça. La salle du conseil, ben on vit avec ce qu'on a. Puis, tu sais, éventuellement, c'est sûr qu'on j'aimerais mieux que ce soit ailleurs, mais, tu sais, on est capable, on n'est pas à la rue, là, pour autant. Fait que si jamais que le centre multifonctionnel se fait, automatiquement, on va pouvoir vendre probablement l'immeuble où est-ce qu'on est à l'hôtel de ville. Et à la caserne ici, éventuellement, si on la déménage, ben l'immeuble ici sera à vendre avec le père. D'accord, parfait. Bon, ah oui, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'approuver un carnet de santé? Oui, un carnet de santé pour l'aréna. OK. L'aréna qu'on a été reconstruit, après le verglas de 1998. Ça s'est effondré parce qu'il y a eu de la glace dessus et tout ça. C'était reconstruit, puis là, de fil en aiguille, c'était la glace se faisait simplement quand il faisait froid dehors avec des ventilateurs. Puis au début des années 2000, on a mis un système de réfrigération qui date quand même d'une vingtaine d'années. Est-ce que, il commence à être probablement en fin de vie? Fait qu'il faut regarder si on remet un nouveau système de réfrigération comme on est là, on refait la dalle de béton, puis on aura une réfrigération à même le plancher. C'est des choses qui sont envisageables.
Si on nous dit qu'il n'y a rien à faire avec l'immeuble, ben on fera une demande financière au gouvernement pour avoir une patinoire extérieure peut-être couverte avec un système de réfrigération. C'est correct. Ça, okay. C'est parce que l'immeuble, il y a quand même, ça a quand même 25 ans d'âge. Là, bon, et quel sera le rôle de la municipalité dans la journée forestière et à ces récoltes du centre du Québec? Bon, on leur donne un petit montant pour les encourager une fois par année. Puis ça, c'est un événement qui est extrêmement populaire. Les gens viennent de partout dans la province pour aller là. Il y a des démonstrations de scie mécanique, de chargeuses à bois, de toutes sortes d'affaires qui touchent de près ou de loin à la forêt. C'est que c'est un appui qu'on leur donne à chaque année, tout simplement. D'accord. Bon, mais pour terminer, depuis quand est-ce que la municipalité de Saint-Ferdinand participe de défis? Pissenlit. Oui, et pourquoi c'est important de participer à ça? Et pourquoi c'est important? On l'a fait l'année passée. Simplement, on demande aux citoyens, parce que c'est des gens qui s'intéressent aux insectes pollinisateurs, là, ça peut être des abeilles comme des guêpes, etc. On demande aux citoyens, on nous a suggéré ça l'année dernière, on demande aux citoyens pour couper leur pelouse en partant quand il y a des pissenlits. Vous avez des pissenlits, ça sort au printemps, et d'attendre 2-3 semaines avant de couper leur pelouse pour permettre aux insectes pollinisateurs de pouvoir manger au printemps, là, tout simplement. Et on a joué le jeu l'année dernière. C'est pas obligatoire, là, du tout. C'est qu'on suggère aux citoyens de le faire. Puis à un moment donné, au bout de 2-3 semaines, on dit aux gens, vous pouvez maintenant couper votre pelouse. Là, parce qu'il y a d'autres fleurs qui sont sorties ailleurs. OK, parfait. Merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir, ma chère. En complément, il y a du miel qui se fait dans la région avec la pollinisation des pissenlits. Ben oui, bon, avec toutes les fleurs. Maillard, ouais. Avec trèfle et pissenlit. Ouais. Et vraiment bon. Le miel Maillard qui vient d'ici de ce moment. Oui, Madame Boivin, elle a un rucher. Là, puis, évidemment, au printemps, les abeilles butinent les fleurs de pissenlit. Bon. Fait que voilà, on en est rendu à la présentation des comptes pour un total de 965 283,59 $. Il est où? Première page. C'est pas la question? Wex, hein? WEX Canada. Ah, c'est du gaz. C'est soit du gaz ou bidon. Hein? Comment tu me dis ça? WEX Canada. WEX Canada, c'est du gaz. C'est du gaz. Ouais, Shell, ouais. Ouais. C'est de l'essence. C'est le monsieur qui répare la réfrigération à l'aréna. Ça, c'est toutes les serrures de l'aréna qui ont été changées, puis qu'on a refait faire, on a remplacé. Aquamobile? Ouais. Aquamobile. C'est quand la glace fonce. Je sais pas. Ici. Cabane, patinoire, bienvenue, monsieur. C'est Madame Garneau. OK. C'est beau. Tu sais qu'on y fait deux versements dans l'année. Ah, je te dis ça tantôt. Ouais. Juste pour ne pas retarder le groupe. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à... Nuvac, Écoscience. T'es à quelle page, Mathieu? La deuxième page. Nuvac, Écoscience. Je l'ignore. C'est 12. Ah oui, 12,50. 12 000 piastres. Je vous sors ça. Y avait-tu d'autres questions? Nuvac. Puis à quoi, machin, c'est quoi exactement?
C'est ce que je cherche. Je ne sais pas si ça avait été payé, mais ça, je pourrais vous... Ben, ça va être demain. Ouais, je vais... C'est d'inconvenu. D'inconvenu. On peut vous répondre demain. Si vous me laissez 5 minutes à la fin, je vais vous répondre tout de suite. J'ai tout ça ici. C'est ça, je l'ai, c'est Aquamobile. Lavage de la façade avant du presbytère. OK. Lavage extérieur de la caserne. Puis lavage des 3 stations de lavage. OK. Compagnie de Tedford, si je ne m'abuse. Victoriaville. Victoriaville. Non, ça, c'est Aqua. Aqua. Aquamobile. Ouais. Aquamobile. Nuvac. Nuvac. Bactagène, 20 kg. On a eu pour 12 000. Attends. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être des bactéries. Ah, OK, c'est un système qu'on a, je vous explique ça, vous allez savoir les gens. On a un système qu'on ajoute des bactéries dans les bassins d'épuration des eaux et ça nous permet, semble-t-il, de retarder la vidange éventuellement. Ça coûte très, très, très cher et ça pourrait nous retarder d'une année ou deux en utilisant ça. Ça coûte 12 000 $ je crois, mais une vidange, c'est comme 200 000 $, 300 000 $. Ouais. Ça peut nous retarder 2-3 ans, semble-t-il. Ouais. On a vérifié ailleurs qu'ils ont ça, des bassins d'aération, comme nous, là, comment on appelle ça, des bassins aérés? Oui, des bassins aérés, bon. Alors, on a vérifié ailleurs, puis il paraît que c'est très, très, très efficace. Fait que... C'est sûr que le gars qui nous l'a vendu, c'était la 7e merveille du monde, mais on a vérifié ailleurs, puis... C'est ça. Avez-vous d'autres questions? Quelqu'un pour proposer? Monsieur Gagnon? Et quelqu'un pour lever l'Assemblée? Monsieur Gagnon. Monsieur Gagnon, il lève l'Assemblée. Bien, je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, à ne pas manquer, évidemment, le 13 mars à la salle communautaire à 19h. Il va y avoir une série de conférences sur les dépendances et la prévention sur le suicide. Donc, merci beaucoup, bonne soirée. Merci Dario, c'est ton dernier soir avec nous. Merci également à Sylvana de la télévision communautaire. Bonne soirée tout le monde. Vous avez entendu la séance ordinaire du mois de mars 2024 du Conseil de la municipalité de Saint-Ferdinand en direct depuis la salle de rencontre du Conseil. Maintenant, nous nous approchons de la fin de cette émission de l'érable approfondie. Si vous voulez vous maintenir informé sur l'actualité de la région de l'érable, nous vous invitons à regarder aussi notre émission érable en bref. Nous vous rappelons qu'après la diffusion en ondes, nos émissions se trouvent aussi dans notre site internet www.tvce.org. Nous nous rencontrerons bientôt sur la sonde de la TVCE pour plus d'informations locales. Bonne soirée!